El xaminer pujolar finalment ha estat capaç de posar rumb cap al nord i l'Atlàntic sembla ara benèvol amb Jan Lecam i Bernard Stamm. Un corrent de sud-est els permet avançar ràpidament i guanyar encara més avantatge respecte de la resta de la flota. Hier, on s'est dit qu'on sortait des mers du sud, quoi. Et puis c'est sûr qu'on est dehors. On a retrouvé du temps beaucoup plus facile à manipuler. Pas facile, je dirais pas ça, quoi, mais du médium, quoi. Ça fait du bien de changer un peu, là. On a repoussé la casquette de protection, là, pour la première fois hier. Bon, elle s'était mise un peu en place, donc on a eu un peu de mal à la repousser, mais bon... C'est du bien de manœuvrer debout et pas accroupi là-dessous. Ça fait du bien de régler les voiles d'avant en les voyant. C'est différent, quoi. Les vitesses sont différentes. El Neutrogena i el GAES Centros Auditivos segueixen intentant resistir-se a quedar atrapats en l'alta pressió que es desenvolupa al llarg d'Argentina, una situació que els farà lluitar amb vents del nord en contra, mentre que el líder segueix navegant amb vents portants. Concernant We Are Water et One Planet One Ocean Pharmaton, ils sont au nord d'une dépression, donc pour l'instant ils naviguent dans du vent de 25 à 30 nœuds d'ouest, et au fur et à mesure de la journée, cette dépression va se déplacer vers l'est, autant qu'eux, du coup ils vont pouvoir profiter de ce vent assez stable pour pouvoir plonger vers le sud-est. Concernant Renault Capture qui se trouve à la fin de ce système dépressionnaire, le vent est plutôt axé sud-ouest pour une trentaine de nœuds, et donc eux, pour l'instant, ils vont pouvoir longer la barrière des glaces et pouvoir tranquillement se rapprocher du Cap Horn. Concernant Spirit of Hungary, ils se retrouvent dans une situation de vent plus léger, avec un système anticyclonique qui se construit derrière eux et qui va venir les attraper. És l'exterior del We Are Water. Avui, segon dia de cavalcada davant del front. El front ja el tenim a sobre i és això que veieu ara. Al Pacífic, els altres quatre vaixells continuen amb bones mitjanes de velocitat. Destaca sobretot el Renault Capture, que tot i els inconvenients amb la pala del timó, aquest matí havia estat el més ràpid de les darreres 24 hores. The one which was denominated and which was damaged south of New Zealand, it was repaired without the mold, and with that the shape might be some millimeters out of the range of the original rudder, and that creates a lot of pressure on the rudder. We think that that is probably the source of the problem. If we wouldn't have this rudder issue, it would be a glamour, because it's like the boat is going quite well, Steph and I go along really well, the maneuvers we are doing are all right, so life on board is really good. But if you know that you have this rudder issue, that's like Damocles sword over your head all the time, so that gives you a certain amount of stress.